Laura, deux secondes, je vais vous parler. Deux secondes, je vais vous parler. J'ai pas envie de vous parler. Eh ben, écoutez-moi, alors au moins. Juste, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'y suis pour rien. Vous savez pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Vous m'avez poursuivi, vous m'avez fait tomber dans la grotte. Mais je vous ai pas poursuivi, j'étais à l'avant avec un enfant. C'est vous qui l'aviez amené avec le briquet, là. Mais j'ai vous même pas un briquet, vous m'avez, sauté dessus. Je n'ai pas de briquet sur moi, j'étais à l'avant avec un enfant. Alors expliquez-moi comment je peux être à l'avant avec un enfant et vous pousser dans un gouffre en même temps. Soyez pas idiote non plus. Ok, Jean, allez. Deux secondes, je ne partirai pas de là tant que vous ne m'aurez pas disculpé, d'accord? C'est trop grave ce que vous faites. Je suis instituteur. C'est pas vous qui m'avez poursuivi. Mais je ne vous ai pas rouge. Poursuivi. C'est pas vous qui avez foncé sur moi avec je votre briquet rouge. Je n'ai même pas de briquet rouge sur moi, Laura. Arrêtez de focaliser. Vous êtes hystérique. Je n'ai rien fait. C'est pas vous qui m'avez agressé? Mais je vous ai pas agressé, ça va. Comment ça vous... Là aussi, c'est pas vous? Oui, ça va, vous avez pas l'air, vous aviez pas l'air non plus de tellement pas d'accord au départ, donc... Commencez pas avec ça, hein. C'est comme ça que vous traitez les femmes? Non, les femmes, les enfants aussi, vous savez, je suis instituteur, c'est normal, hein. C'est comme vraiment ça. Un humour pourri. Oui, j'ai un humour pourri, c'est vrai. On aurait pu s'entendre là-dessus, non? Eh, bienvenue au village.